pour vous faire une autre vidéo dans la continuité de notre super journée de débile. Non. 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 Un petit peu comme ça, quand même. Donc là, on a dit que voilà, le tag Jelly Belly, c'est bien beau, mais c'était dégueulasse. On peut pas dire autrement. Parce qu'on a eu vraiment pas de choix. On n'avait pas de chance, pardon. Pas du tout, non. On a eu les pires des chez pires. On a eu presque des mauvais, mais vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai dû mettre bien avant. Et donc, nous, on a décidé de prendre des bonbons qui ont l'air un peu meilleurs, mais avec une petite particularité, pardon, qui sont complètement, normalement, bien sûr, acides. Acides, ouais. Donc ça a bien piqué, on doit avoir de sacrées têtes, ouais. Ça va être marrant, je pense. Et il y a des trucs qu'on connaissait pas du tout, enfin on a fait des magasins, on a des trucs qu'on connaissait pas du tout, donc c'est un peu comme des WC, donc ça ressemble vraiment à des WC avec la brosse, donc on vous montrera ça plus tard, donc c'est des WC. Ça me fait penser à un bonbon qu'il y a aussi dans... sur le site Candysan en fait, mm-hmm. C'est un truc, je sais pas si t'as déjà vu, ouais. Il y a des trucs comme ça, après il y avait des trucs aussi comme ça là. C'est des canettes, donc la canette de coca. Bon après on va, c'est genre dans un truc de bazar, hein, ouais, voilà. Ça. Truc il me semble asiatique, à la base c'est asiatique il me semble. Des petits sprays, ouais, voilà on en a pris un. Donc on verra ce que ça va donner, ouais, ouais. Je pense que ça m'a rappelé mon enfance, ou pas, on verra. Après il y a ça aussi, donc pareil. Et bien sûr, voilà. Le must. On et pas les têtes brûlées. On a décidé de tester ça. On verra. On commence par quoi? Soit je dis à la fin, pour finir. Ouais. Non? Donc ouais. On parle de celui-ci. Le petit spray. Un petit spray. On commence par quoi? Par les canettes? On va commencer par les canettes, ouais. Coca, genre Sprite ou Orangina? Enfin moi je dis ça comme ça. Hein. Alors moi je veux bien du Sprite. Sprite. Attention, j'ouvre. Attends, je le fais. Attendez, je vais l'ouvrir. Donc c'est comme une canette, hein, voilà. Hop. Même moi, j'arrive pas. Voilà. Bon ben. Faut en mettre combien? Moi, je pense rien, ça se voit. Ouais, deux. Mais t'es folle, là, ou quoi? On marche sur deux jambes. Imagine, c'est dégueulasse. Enfin, on en fait pire, hein. Donc c'est des petits trucs comme ça, blancs. Donc voilà. On fait comme hier. 1, 2, 3. Ouais. Voilà. 1, 2, 3. Je vais où c'est effervescent. Alors ça mousse dans la bouche. Ça fait du bruit. Ouais. Ouais. En fait, on va essayer de vous faire ça, mais à la fin, avec plusieurs pour vous entendiez, ça... Ça crépite. Ouais. Ça a plutôt une goutte de citron. Mais là, c'est du citron, hein. C'est pas trop mal. Ouais, mais il y a marqué bonbon, pétillant. Ah, une fois que tu croques, une fois. C'est là, hein. Ouais. Je me bave dessus. C'est meilleur qu'hier, hein? Ouais, wow. Quand même. Enfin, ouais. Qu'hier que l'autre vidéo. On continue par cela? Ouais. Coca ou. Coca ouais. Ou orange? Coca? Coca. Le copse. Non, non, c'est bon, je vais réussir. T'as vu, j'ai réussi. Or, je trouve que, bon, le truc il est un peu. Merdique pour sortir parce que en fait c'est un petit trou comme ça et je trouve que c'est un peu galère pour sortir. Ah, hein. Hein. Voilà. Donc ceux-là ils sont un peu moches. Donc ceux-là c'est les mêmes genres qu'avant sauf qu'ils sont bizarres. Couleur un peu. Non, dis pas ce que tu penses. Parce que je... Avec plein de petits points, c'est bizarre. Et mais couleur coca quoi. En fait, à la limite, on aurait dû les sortir avant. Ah, en fait, c'est ce truc qui gêne. Ouais, ah, voilà. Bah voilà. Donc voilà, pareil, 2, 1, on va voir vraiment ça a quoi comme goût.
1, 2, 3. Je trouve que tu pétilles beaucoup plus. Je sais pas si c'est l'effet du coca. Ça pique au bout de la langue. Ça pique. Avouez-le. Attends, en même temps, ils vont confondre avec ton piercing. On prend fou. Ah, il y a de la mousse, celui-là. Affreux. Et on va continuer par le dernier, celui-là, l'orange. Ils sont orange. Ouais, ils sont orange pâle. En fait, on en a pris trop. Hein. Oui, je sais, mais ils sont sortis au moins, ça va. Ouais, grave. Alors, le pire, c'est quand tu les croques. Ouais. Ce coca, ils ont beaucoup plus de mousse que... les Sprite, ouais, là. Les Sprite, là. Enfin, au citron. Ouais. Y va. 1, 2, 3. Oh. Ah, celui-là aussi. Hein. Mais le goût, je trouve qu'ils sont assez respectés quand même. Non. Ouais, ouais. Tu sens bien l'orange, tu sens bien ouais. Le... Moi, je kiffe croquer. C'est trop bien. Ils sont vraiment très bons. Ah là, ah. Ah la pique. Oh la mousse. Ouais, non, c'est pas mal. Pour 1 euro, je les ai achetés. Enfin, on les a payés. 1 euro les 3. Donc ça va. Ça pète pas des briques. Mais bon, ça passe. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Donc, après... genre, tu veux un coca? Sauf que c'est un moment. Du coup. On va tester les petits trucs. Ouais, on va tester les petits trucs. Alors ça, franchement, c'était à 2 euros aussi. Dans la même boutique. Donc c'est ça. Là, je sais pas si vous allez voir. Ça, attends, mon clou, peut-être là. Juste là, donc, il y a 3 compartiments. Donc, il y a une sucette qu'il faut qu'on trempe dans la poudre. Et il y a framboise, fraise, coca. Mais le truc qui me fait peur, c'est l'odeur quand on l'ouvre. Je trouve qu'il n'est pas top top, quoi. En fait, on en a un bleu et un rouge, mais c'est la même chose. Ce qui change, en fait, c'est juste la couleur de la sucette. C'est tout. Mais sinon, c'est aussi fraises, framboises et fraises. Ouais, en fait, ce que ça sent, vous savez, dans les manèges, là, dans les fêtes de village, quand ils mettent de la fumée blanche, ouais. Ben, ça sent exactement la même chose. C'est ça qui me fait bien peur, ouais. Donc, excusez-moi, hein, j'ai eu un truc, là, et je regarde juste en même temps. Où le compteur? Snapchat, hein. Donc on y go. Ah, elle est dégueulasse. Il n'y a pas vraiment de goût. Ouais. Donc je crois que ça doit être le framboise, hein, le... Je pense que le framboise, c'est le bleu. Ouais. Mais c'est dans le bleu. Non, moi j'arrive pas à l'enfoncer. Arnaque. Bon, écoutez, je vais prendre ça, ça suffit, hein. Oh, voilà, là on voit bien la différence chez moi. Ah, pas chez moi. Du bleu sur du bleu, ça ne fait pas. Y va ? On y va. Si ça c'est framboise, hein. Attends. Est-ce qu'ils nous auraient vendu du... normal en même temps, hein. Ça a vraiment pas de goût. Non, le bleu, il y a vraiment pas de goût, je crois que c'est le framboise. Hein. Non, rien du tout. Bon, après il y a un rouge. Et c'est censé nous faire péter, disjoncter, quoi. Ouais. Et pas vraiment. Je préférais l'autre, tu vois. Ouais. On va essayer le rose clair. Ouais. Ça doit être lequel? Rose clair. Le rose rose. Hein. Je crois qu'on s'est fait arnaquer sur ce coup-là. Ouais. Autant les autres ça allait, mais autant... après bon voilà. Donc chez moi on voit pas, mais... voilà. C'est un goût, mais de fraises... Tu le sens un petit peu.
Il y a quelques petits trucs qui piquent, mais vraiment. Ouais, faut y aller, je trouve. Hein. Vraiment léger. C'est nul. Je croyais qu'on allait s'arracher la tête, nous. Hein. En plus, t'en fous partout. C'est grave. Un petit peu. Un tout petit ouais, peu. Ouais, mais léger. Hein. Ouais. On va peut-être essayer les deux et les trois en même temps. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Mais on essaye le dernier ? Ouais, le coca. À défaut de commander sur Candysan, hein, ben écoute, on se fait le Candysan nous-mêmes. Hein. Ce site, c'est vraiment pas cher les choses, mais je trouve que les frais de port sont. Donc voilà, là c'est blanc en fait. On voit pas chez moi, mais bon. Vraiment très bien. C'est un goût de bonbon. Ouais, voilà, c'est tout. C'est tout. Mais de là à définir vraiment que ce soit de la framboise, du coca ou je sais plus quoi, là. Moi, je vais mélanger les trois. Alors, en plus, c'est vraiment pas pratique pour aller dans une assiette. Ils sont à table. Comme je vais le mettre, je vais partir la poudre parce que c'était vraiment pas pratique du tout. Le truc à moitié en cercle. Je sais plus quoi, donc si vous m'écoutez, les gens qui fabriquent ça. Donc ouais, essayez vraiment d'en prendre beaucoup. D'en prendre beaucoup, parce qu'avant j'en ai juste goûté comme ça. Et c'est vrai que ça arrachait vraiment quand même. Donc moi je commence par le bleu. Tu mélanges tout ? Bah moi je mélange le tout. Allez, moi aussi. Soyons fous. Donc j'essaie de mettre pas mal dessus. Donc moi je le prends avec les doigts pour le mettre dessus. Non. Sérieux non. Je trouve pas. Non. Non. Mais prends-le comme ça. Sans la sucette. Je vais mettre la langue dessus. Et par contre comme ça. Ouais, là je suis d'accord. En fait, c'est bon. On va prendre la sucette. Ouais. Je crois que c'est ça qui. Je sais pas si elle a le même goût que la mienne, mais en tout cas, ça a vraiment pas de goût. Non, maintenant que ça a pas de goût. C'est vraiment... La sucette est vraiment pas bonne. Non. Je crois que c'est ça qui fait. Est-ce que ça change ? Et en plus, elle est dure. Tu vois, là. T'arrives à voir le coca comme ça, on arrive à sentir sinon. Avec la sucette, je suis pas. Pas trop pour. Mais sans la sucette, je suis plutôt pour. Ouais. Alors, plus, il n'y en a pas. De point positif. Seul. La poudre seule. La sucette est vraiment dégueulasse. Et vraiment très très dure. Ouais, très très, très dure. Et attends. Est-ce que c'est comme ça ? Ben non, regarde, dans le modèle, ils font comme ça. Le packaging, non. Donc, bon, on terminera, mais voilà, on a connu mieux. Hein. Bon, c'est pratique, ça se referme bien. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Voilà, le plus. Le petit plus, sans plus. Sans plus. On continue par quoi ? Par les WC. Les WC. Alors, par les petits WC. Moi, ça, je te laisse expliquer. C'est... Donc, un toilette vraiment, mais vraiment bien fait. Donc, en fait, dedans, je me lève. On soulève le petit couvercle et puis il y a une poudre bleue. Non, vert. Bleu-vert. Ouais, non. Qui est assez bizarre. Avec la petite sucette qui est accrochée à derrière. Donc on va ouvrir la sucette et puis de ce que je vois, il faut tremper la sucette dans le toilette. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Bon bah j'ai pris ma sucette que j'avais reçue de mon vendeur super de eBay là, qui m'a vendu une boîte de Jelly Belly où il n'y avait que des trucs pas bons. Donc voilà. Tu t'en sors ? Non. Viens. Alors moi la sucette est vraiment très bien fermée. Voilà. Donc moi ma sucette est verte. Bon la mienne est comme ça après. Ouh, au niveau d'or on dirait. C'est au lait. Ah ouais. On dirait qu'elle est au lait. Bon, ça va.
Vas-y, ouais. Fais tomber dessus. Je vais goûter la sucette en elle-même. Ah, ça va. Perso, ça va. C'est un petit goût de pomme. Avec un peu un petit goût de lait. Ça va. On comprend mieux. Tu sais qu'on dirait qu'elle a pris de... des trucs. Oh putain. Donc on... Vas-y, honneur à toi. Mais ça aussi c'est censé nous faire péter le feu. Écoute, de ce que dessin, c'est super sourd, soi disant. C'est la même poudre qu'il y avait dans l'autre. En vrai, c'était le bonbon. Hein. Putain. Non mais regardez-moi ça, je trouve que c'est super. Attends. C'est super glamour de faire ça dans des toilettes. Enfin, franchement, je sais pas où ils sont allés chercher leur idée de toilette. Après, mais... c'est marrant. Ouais. C'est original. Ouais. Mais... On y va? On y va. En fait, regarde, dedans il y a des genres de petits cristaux. Ouais, et ça crépite normalement. C'est cela. Et il faut croquer dessus. Et là, je suis d'accord. Non, mais bon, tu les attrapes pas à tous les coups, quoi. Après, tu récupéreras ton toilette, hein. Quelqu'un m'en aura à la maison. Hein. Bah, c'est pareil que le pouce, maintenant j'ai juste essayé. Au doigt. Au doigt. Donc je mets un doigt dans les toilettes. Ah oh, putain. C'est dégueulasse. Ça crépite là. Voilà. Ouais. Essaye, je t'en prie. Mais je vais pas mettre... En fait, c'est. Je vais pas mettre mon doigt dans ton toilette. Je t'en prie. Je vais mettre quand même, hein. Ça se fait pas. Hein. Chacun son truc, hein. Mais là, franchement, ça, voilà, ça le fait. Ouais, ouais, voilà. En fait, les poudres en elles-mêmes sont bonnes. C'est à quoi ça me fait penser? Il y avait des... À l'époque, moi, je t'en trouve encore aussi, tu sais, des genres de paille fermées de côté, t'avais de la poudre dedans, on dirait ça. Ouais. Mais voilà. C'est exactement la même chose, mais avec la sucette, ça fait... Rien de particulier. Tiens. Tu veux faire le cache sec? Ouais. On se ramène, je vais la piquer, je vais la traquer. On va la manger après. Donc on a encore 2-3 trucs à essayer. On aurait essayé le spray d'abord, parce que les sols brûlés ça va mettre du temps. Ouais. Au moins qu'on les recrache. Non, on va pas les recracher. Donc on va essayer le petit spray. Donc on n'a pas dit le pour et le contre. Ah mince, oui, le pour et le contre. Voilà, là on avait dit ou pas? Je sais. Oui. Ouais. C'est pas pratique. Donc ça, je trouve ça marrant. Ouais, c'est original, quoi. C'est original, ça change des trucs. Mmh. Pour? Le pour... Ouais, c'est ça, original. Le moins. Original, le moins, c'est que déjà, la cuvette ne tient pas. Donc pour le refermer, bah... Ouais, limite, il faut le manger tout de suite, quoi. Faut tout manger d'un coup. Et puis aussi, bah, avec une sucette, bah, le goût, voilà. Ça pique pas vraiment. Dommage. Dommage. Donc maintenant on passe à quoi? Le spray? On va prendre le petit spray. Donc c'est un spray Candy Spray. Voilà, donc c'est ça, Candy Spray. Donc la tête du bonhomme elle fait peur. Ouais, comme d'hab quoi. Bon après, on verra ce que ça donne. Je vais mettre juste ça là. Donc, ça a coûté quoi 2 euros je crois. Ouais, je crois. Ouais, 1 euro, ouais, un truc comme ça. Donc un spray, donc je sais pas trop. Donc c'est goût framboise. Tu me fais, tu vises, hein. Tu fais correctement. J'adore, t'es déjà rien qu'à sa tête. Alors celui-là, il est vraiment très bon. Il est bon, mais là, tu le sens, quoi. Le truc, c'est que tu le mets... Et tout de suite ça pique. Ouais. Oh mais c'est kiffant quand même. Ah bah vas-y toi tu y vas quoi. T'as la langue bleue. Mais tout le temps toi. Ah ouais moi aussi.
C'est les toilettes. C'est les toilettes. C'est le bleu des toilettes. Le canard WC. T'en veux un petit peu? Et franchement, il n'est pas mauvais celui-là. Ouais, et ça reste quand même pas mal dans le goût. Il reste pas mal dans la bouche. Vas-y, mais. Vas-y, je m'en mets un peu d'un côté. Ça, c'est pas mal pour avoir. Dans sa cam à la limite, quoi. Genre haleine fraîche. Hop là, haleine fraîche. Ah merde, moi aussi, toi. Arrêtez, quoi. Non, mais c'est pas mal. Par contre, ouais. Non, mais c'est pas mal, c'est original. Je suis pas sûre que mon haleine elle soit fraîche, hein. Non, mais bon. Mais bon. Ils promettent quoi de dessus? Alors. Bouton. Boudon. Bonbon acidulé à vaporiser. Bah, ouais, c'est vrai. Il est pas mal. Franchement, celui-là, il est pas mal. Il a pas menti sur son truc. Il a l'air de bien se refermer quand même. Il se referme vraiment très bien. Donc c'est bon. Et petit, simple. Bon, regarde. Voilà la taille. Donc c'est mais un petit format. C'est pas faire ça, toi. Hein. Non, calme ça. Calme ça. Oh là là. Ah, tu sais pas faire ça, non. Toi. Voilà, donc au niveau de la taille. C'est pas très grand. Donc ça rentre dans sa caméra, dans une poche. C'est sympa. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, à la base, normalement, c'est pour les gamins. Hein. Pardon. Mais bon. De pas donner entre 0 et 3 ans, ça va, on en a 4. Donc, ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va passer. La légende. Alors ça, on voulait vraiment. Enfin, c'est mon idée, hein. Et si je commence à péter un câble, tu me le rappelles que c'est mon idée. Donc c'est les traits de tête brûlée là qu'on. Enfin, on s'est pas enquiquiné à vouloir prendre vraiment le paquet parce qu'on a dit. Enfin, c'était juste vraiment pour tester et faire la vidéo. C'était pas la peine d'acheter le paquet, donc on allait au bureau de tabac les prendre. Individuel, ouais, voilà. Sachet. Donc goût pomme, fraise et cola. Coca, je pense. Ouais, cola. Donc voilà, donc ça va être juste un peu long je pense, mais à la limite je couperai et j'accélérerai, au pire au bout d'un moment je trouverai quoi faire. Donc on commence par lequel? Moi j'adore la pomme, donc je vais finir par la pomme. On commence par le coca? Ouais. Vas-y. Parce que c'est vrai que moi ça m'a donné envie quand j'ai vu une vidéo de Sans Dynamite. Quand ils ont fait un tag il me semble, où ils devaient goûter un peu, enfin... Ils avaient les yeux bandés, ils devaient goûter ce que l'autre donnait, donc ça m'a fait vraiment envie. Donc je me suis dit. Mais donc la tête brûlée ressemble à une tête. À un truc rond, brun avec du blanc dessus. Donc c'est un peu... Ah oui, ça va être bien crépité ça. Ça risque de bien piquer. En fait, c'est notre 4 heures là qu'on est en train de faire. Là. 4 heures. Bon bah. Ouais. Let's go. On a encore deux autres. Hein. Oh purée. Ah. Tu veux de l'eau? Non. Oh putain. Ah. C'est chaud. Ça genre tu le donnes à ta pire ennemie. Tu regardes, tu fais tiens, tu veux un bonbon. C'est bon. La vidéo elle va durer 150 ans. Je crois que je vais faire je sais pas combien de temps. Je crois que je vais la mettre peut-être. Je verrai bien. Ouah. Alors ce qui est vraiment très bien avec ce bonbon, c'est qu'il déchire la langue, la bouche. Mm-hmm. Mais après ça s'estompe. Enfin ça s'estompe. Mais après il devient comme ça. Après t'as juste le goût du coca, mais t'as encore la langue enflée. Non mais je crois qu'il y a encore quelque chose d'arrête dedans. Hein. Il me semble, il y a 3 couches. Hein. Il est marqué à l'enrobage. Ah ben non. Ouais, après, ça reste un bon. Normal, mais. Normal, mais par contre, t'as toujours le piquant sur la langue. Donc, jusqu'à la fin, tu l'as. Ouais. Désolé, hein, mais. Sinon ça va durer pas combien de temps. Ça qui est bien. Ça te détruit. Ouais. Ça reste bien sur la langue longtemps. Donc quand t'as le goût du coca qui arrive, ben, t'as encore le piquant. Ouais. Mais alors ça pique vraiment beaucoup. Hein. Wow. T'es sûr que tu veux continuer? Bah oui.
13. Ça, donc nous, on s'est pas brûlé des paquets de bonbons. Non, on a fait des pralines ciseaux. T'imagines ça une soirée? Waouh. Avec les Yelly Belly. Oh putain, ouais. Le combo parfait. Donc celui-là, bah, c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que c'est rose. Quoi, pas grand chose, parce que c'est pas très rose. Ouais. Là, c'est un peu plus rose et blanc. Go! Wadi. 1, 2, 3. Je le trouve moins hard, mais non. Alors non. Parce que limite, si. Oh purée. J'ai l'impression que c'est. C'est un truc chimique qui se passe dans ta bouche là. Oh purée. Hyper acide. Bah tu m'étonnes que c'est hyper acide. Je comprends pourquoi t'as la tête brûlée parce que ça chauffe. Hein. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression de transpirer. Ouais, pareil. Et le dessin du bonhomme, il est vraiment marron. Il prend feu. On dirait du bourre, regardez. Comme pour le coca, ouais. Ça détruit. Et après, tu sens bien le goût de la fraise. Mmh. Avec ce, toujours ce goût. Acide sur la langue. Mais, eh bien, on fait un combo après. Non, j'allais dire, on fait une connerie. Donc, j'ai toujours le bonbon en bouche. Donc, sans acide. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à parler. Ah, bah, bien sûr, on brûle le vase. Bah, oui. C'est vraiment bizarre. Un tortillon met toutes les poudres en même temps aussi. Ouais. Ah non. Si. Non, non. Vraiment très bon. Ouais, à la fin, il est bien. Pas trop frais, juste comme il faut. Donc c'est bon. Après, c'est un bonbon ou quoi? Ouais. Pas oublié d'aller chez le dentiste. J'ai rien fait. Bon, non. C'est lui. Le dernier de notre expérimentation chelou. Celui à la pomme. Non, tu vois, comme ça, ouais, ça passe, mais un paquet entier comme ça, non. 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 Donc, celui-là de la pomme, ben. Je vous montre aussi. Ouais, vas-y, fais le. Bah, il est vert. La meuf, elle squat, ma fille énorme. Avec du blanc. La meuf, elle a cru que c'était la fête. Voilà. Ready? C'est pas très grand non plus, quoi, ça. Ouais, bah, bon, ça suffit, hein. Ouais. Hein? Ready? Bon. 1, 2, 3. Oh, dur. Quoi? Alors celui-là, moi j'ai eu la mauvaise idée de le mettre d'abord sur le bout de la langue. Non, bah, j'ai pas pris la bonne amie. Donc ça m'a arraché dès le début. Wow. Là, j'ai l'impression d'avoir la langue irritée. Tellement que ça pique. Moi ça va. Et juste le bout de la langue. Pareil, on sent bien la pomme. Super bon. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai préféré celui-là que le Jelly Belly. Le poire, il était bon. Le poire juteux, c'est vraiment très bon. Ouais. Faut tomber dessus, mais bon. Ouais. Par contre, la noix de coco, je trouve qu'il est dégueulasse. Je trouve qu'il a le même goût que le popcorn. Non, popcorn. Il a le même goût que le popcorn et la noix de coco. Ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a des trucs, je pense, qu'on rachète très à la limite. Ça, ou... Enfin, les têtes brûlées. Ouais, pourquoi pas. Bon, une soirée avec ouais. Truc. Celui-ci, je pense qu'on va le racheter aussi. C'est sympa. Ça, non. Mais, nada. Ça, non.
Là, les petites toilettes non plus. Non, vu que c'est mignon, c'est pas pratique. Ça, ouais, peut-être. Pourquoi pas. Mais ouais, pour rigoler, je pense que ça peut être sympa. Mais ouais. Soit... ouais. Fait genre... je sais pas. Non, ça peut être pas mal. Mais... non. Voilà. Donc, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On vous fait, pardon, d'énormes bisous. D'énormes bisous. Et on vous dit à très vite. Bye.